Ça devient l'un des classiques d'Eurosport, une discipline que nous avions présentée l'année dernière. Le tracteur pooling fait une entrée remarquée sur notre chaîne cet été. On sait que c'est un programme qui vous a beaucoup plu, les audiences nous l'ont prouvé, de même quelques sondages d'opinion. Aussi, cet été, on a décidé de faire la totale, puisque nous allons vous présenter toute la Coupe d'Europe, 5 étapes, et on débute par l'étape en France, Bernay, en Normandie. Bernay, le berceau du tracteur pooling en France. Le tracteur pooling, une discipline née aux États-Unis au milieu des années 50 et arrivée en Europe il y a presque 10 ans aujourd'hui, puisque la première compétition avait été organisée en 1977. Il y a 20 ans, pardon, puisque la première compétition avait été organisée en 1977 en Hollande. Les Hollandais restent les meilleurs du monde, mais attention, ici en France, tout le monde s'est déplacé. La Belgique, la Grande-Bretagne, le Danemark, la Suède, la Finlande et l'Allemagne. Sans oublier, bien évidemment, nos Français. Je vous l'ai dit, 5 étapes dans la Coupe d'Europe 1995 de tracteur pooling. 3 catégories sont retenues pour la Coupe d'Europe. Il s'agit des catégories 3 tonnes 4 super stock, 4 tonnes 4 libre et les mini pouleurs. Mais les mini pouleurs ne débuteront qu'à partir de la prochaine étape en Hollande à Walibi Flevaux. Alors le tracteur pooling, rappelez-vous, des monstres construits à partir de moteurs d'avions, de chars, de fusées, d'hélicoptères, un petit peu tout ce qu'on veut, qui doivent tirer un traîneau. Un traîneau, mais attention, pas un traîneau fixe, au contraire, puisque sur ce traîneau, il y a un chariot mobile lesté très lourdement, et au fur et à mesure que le traîneau progresse, le chariot mobile monte, rejoint l'avant du traîneau et fait s'enfoncer un soc, s'enfoncer le chariot, ce qui freine bien évidemment l'évolution. Le premier à se présenter devant nous dans la catégorie 3 tonnes 4, il s'agit de Michel Thuard, le français, avec son MEAC. Michel Thuard qui a 46 ans et qui a mis un moteur Allison V12 sur son tracteur. La traction maximale, c'est-à-dire 100 mètres, c'est ce qu'on appelle le full pool. Mais Michel Thuard ne va pas obtenir la marque maximum, ratant ainsi la finale. 84,03 mètres pour MEAC et Michel Thuard. Michel Thuard qui va terminer 8e dans cette catégorie 3 tonnes 4 libre. Catégorie qui ne participe pas à la Coupe d'Europe. À présent, voici Frédéric Hu et son Obélix. Champion de France en 93, vice-champion de France l'année dernière. Un tracteur propulsé par un Hercule de 14 cylindres. Voilà quelques petits problèmes pour conserver sa ligne. Le chariot mobile a enfoncé le soc à l'avant du traîneau. Et c'est 94,17 mètres pour Frédéric Hu, le mécanicien. Ce qui va l'empêcher de participer à la finale. La finale, c'est ce qu'on appelle le pull-off. Voici Snoopy. Attention, ce n'est pas le Snoopy de Kevin Whittingham. Le britannique, c'est celui du français Michel Rossincourt. Michel Rossincourt qui a lui utilisé un moteur qui vient d'un Sharpaton, un Continental V12. Mais Snoopy n'est pas aussi puissant que son homologue dans la catégorie des 4 tonnes 4, puisque Michel Rossincourt va aller encore moins loin que ses compatriotes français, 62,20 mètres. Et Snoopy prend la 11e place. Voici ce fameux chariot mobile. On le ramène en position arrière pour le départ. Vous l'avez compris, le départ est très important. Il faut prendre le maximum de quantité de mouvement afin de progresser malgré que le chariot s'enfonce dans le sol. Départ de Super Speter du Hollandais Martin Kustermans. Il a été 4 fois champion d'Europe dans la catégorie de tonne 4. Et les mécaniciens, lui aussi, utilisent un moteur V12 Continental. Pas encore de full pool. Alors qu'on voit que ça chauffe dur au niveau du moteur. Pas encore de traction maximale. 84,32 mètres. Super Speter qui prend la 8e place et qui en prime casse son moteur.
Voici Viper à présent du Hollandais Joep Wouters. Il utilise deux moteurs Chrysler et un moteur Case Black. Et Joep Wouters qui espérait aller beaucoup plus loin. Et là, c'est pas suffisant pour s'imposer. 91,26 seulement. Power Horse du Belge Dirk van den Anmera. C'est sa première année en tracteur pulling pour Dirk. Il n'a que 29 ans. Un petit peu déçu d'ailleurs pour sa première sortie à Bernay en France, première manche de la Coupe d'Europe 95 de tracteur pulling, puisque seulement 63,94 m. Voici le Français Philippe Chauvin. Il est chez lui, le pilote de Synergie, propulsé par 4 turbines. Synergie, l'un des plus sûrs espoirs français en tracteur pulling. Parti pour Synergie, allez, allez, faut y aller au bout. 100 mètres et c'est le full pool. Et c'est tout bon pour Philippe Chauvin. Bien évidemment encouragé par le public français. Full pool, traction maximale pour Synergie qui participera donc à la finale, à ce qu'on appelle le pull-off. Les 100 mètres ont été atteints. Et donc voici les 5 participants à la finale au full pool en 3 tonnes 4 modifiés, avec un Français, deux Britanniques, un Belge et un Danois. Voici Émile, le présentateur des étapes françaises de la Coupe d'Europe de tracteur pulling. Là on mouille la piste pour éviter la poussière. Donald et sa mascotte, il est belge. André Vuitac est champion de Belgique depuis 1989. Son tracteur s'appelle Baby Duck. Devinez pourquoi, pas vraiment difficile à vrai dire. Baby Duck propulsé par deux moteurs Rolls-Royce V12 Meteor qui lui viennent d'un charme Centurion. André Vuitac qui avait obtenu le full pool pour se qualifier pour cette finale, qui cette fois-ci va être un petit peu moins chanceux, il est vrai. On a alourdi bien évidemment le lest qui se situe sur le chariot mobile. 70,06 m, c'est donc la distance à battre par ses adversaires. Parmi eux, Fox, de Nanois à Peter Larsen. Fox qui a tout simplement remporté les deux dernières Coupes d'Europe. Propulsé par 4 moteurs Chevy. Fox, un des tracteurs les plus puissants de la catégorie 3 tonnes 4 modifié. Et qu'il le prouve d'ailleurs, il va très très loin. Peter Larsen, l'un des 5 frères Larsen qui participe au tracteur pulling. L'un des moteurs est en feu d'ailleurs. Et très très belle performance puisque 98,22 m. À seulement 1,78 m du full pool des 100 mètres. Même si en finale on ne parle pas de full pool, là la traction est mesuré très précisément, même au-delà des 100 mètres. Voici le champion d'Europe en titre, un titre remporté à Ahoy en mars dernier, Brian Armitstead, le Britannique, qui pilote Desperate Dan. Et Desperate Dan qui va nous prouver qu'il est bien le meilleur à l'heure actuelle dans la catégorie, puisque c'est full pool, traction maximale, mais je vous l'ai dit, en finale, on mesure véritablement la distance parcourue. Et Brian Armitstead qui va avoir parcouru 106,41 m. Vous dire que tout va bien pour lui. Il faut malgré tout se méfier du Britannique Paul Williams. Il n'a que 25 ans, garagiste au Pays de Galles. Il peut faire quelque chose. Alors qu'ici on voit l'équipage de Fox, de Peter Larsen. Et Limited Edition, le Britannique, avec ses 3 moteurs Chevy. Williams qui ne se fait pas trop d'illusions quant à sa victoire. Parti pour Paul Williams, parti en roue arrière. Un petit peu de mal d'ailleurs à diriger l'engin. Il conserve sa ligne malgré tout. Attention, si on sort de la piste, c'est la disqualification. Et Paul Williams
qui réalise 88 mètres 25 et qui prend ainsi provisoirement la troisième place. En tête, c'est Brian Armistead, le champion d'Europe en titre, devant Peter Larsen, le Danois, troisième Paul Williams, deux Britanniques et un Danois sur le podium pour l'instant. Et Fox, le Danois, vice-champion d'Europe, donc une fois de plus battu par Desperat Dan. Voici le dernier finaliste, le Français Philippe Chauvin. Je vous rappelle qu'il est chez lui, à Bernay, en Normandie. Full pool, traction maximale obtenue lors de la deuxième manche. C'est la finale à présent. 106 mètres 41 à battre, parti pour Philippe Chauvin. Synergie qui s'élance, qui a du mal à garder sa ligne droite. Ah, et bien évidemment, lorsqu'on cherche à redresser, on perd toute l'énergie du départ. 80 mètres 30 et c'est donc une quatrième place pour Philippe Chauvin et Synergie. Victoire de Desperate Dan devant Fox Limited Edition et troisième. Le Français avec Synergie prend la quatrième place. C'était les 3 tonnes 4 modifiés. Juste après, ça continue avec les autres catégories. Can you see anything yet? Just a second. Settle down. He's opening the refrigerator. Oh, what does he have? What does he have? I can't see through you. Would you move over, please? It's... Wait a minute. It's... Yes. Me? Come on, come on! Yes, downstairs. Definitely second. Coca-Cola. L'Europe a choisi. GT Auto-Alarme, la sécurité blindée. Rejoignez-nous sur le nouveau service Minitel d'Eurosport France pour consulter nos programmes, pour poser toutes vos questions ou réserver vos places pour des événements sportifs. Tapez 3615 Eurosport France et entrez au cœur du sport. Jouez avec Eurosport et Firestone et gagnez l'un des 4 week-ends pour 2 personnes à Monterey en Californie pour assister au Grand Prix IndyCar de Laguna Seca. Des chemises, des t-shirts et des casquettes Firestone sont également en jeu. Pour jouer et gagner, appelez vite la ligne Eurosport. Firestone et Eurosport vous souhaitent bonne chance. Première manche de la Coupe d'Europe de Tractor Pooling 1995. Nous sommes à Bernay en France, très précisément en Normandie. Et après la première catégorie que nous avons pu suivre, à savoir les 3 tonnes 4 modifiés, voici à présent les 3 tonnes 4 Superstock, c'est-à-dire les tracteurs quasiment de série. Attention, une catégorie qui court pour la Coupe d'Europe. Parti pour René Quemin, le Français, et son outsider. Champion de France l'année dernière qui vient de Beauménil. Et outsider qui va faiblir dans les derniers mètres. Il cherchait à obtenir les 100 mètres, le full pool, la traction maximale. Il s'arrêtera un petit peu moins de 5 mètres avant, 95,2 mètres pour outsider. Et René Quemin, le champion de France, ne sera donc pas en finale, ne participera pas au super pool. C'est normal le classement qu'on entend là ? Pas vraiment, hein ? Pas vraiment. À ton avis, ça peut être... Pas content, René Quemin. Départ à présent du Britannique Paul Williams, un international 36-88 qui s'appelle Roof Justice. Oh là, c'est parti bien faiblement pour Paul Williams. C'est certain, il ne pouvait pas aller très très loin. De toute façon, le moteur casse. Moteur explosé pour le Britannique. Une traction relativement minable pour Paul Williams, puisqu'il n'obtient que 26 mètres 46. Un tracteur pooling, il faut partir le plus vite possible. Départ de Silver Bullet du Hollandais Jan Hendrik Versluis.
Un tracteur 100% écologique qui marche au biodiesel. Et ça va beaucoup mieux pour Silver Bullet, puisque le Hollandais obtient la traction maximale, le full pool. Il participera donc au pull-off, à la grande finale. On voit Ronti, une parfaite maîtrise de l'engin pour Jan Hendrik Versluis, qui lui permet d'aller jusqu'au bout. À présent, un autre Britannique, Stephen Clark. Il a 26 ans, il a remporté la Coupe d'Europe en 1993, deuxième l'année dernière. Et son tracteur, c'est JBJ Express. Et c'est full pool, traction maximale. Hélas, Stephen Clark va avoir un petit problème, puisque sur ce premier tour de qualification, il va casser un piston et ne pourra participer à la finale, ne sera donc pas au pull-off. Dommage pour celui qui avait terminé deuxième de la Coupe d'Europe l'année dernière. Voici Jan Burggraf, le Hollandais, avec Demolition Derby. Là, on revoit ce qui s'est passé lors de premier tir, lors de la première fraction. Il avait quitté la piste, avait donc été disqualifié. Voici donc la deuxième traction pour Demolition Derby de Jan Burggraf. Et ça se passe plutôt bien jusqu'au bout, Jan Burggraf. Et c'est tout bon, traction maximale, 100 mètres. Oh, en revanche, une roue, la roue avant droite qui casse. Et Mick Olin, le flagman, n'est pas passé loin. Traction maximale, pas de problème pour Demolition Derby. Mais hélas, tout comme le JBJ Express de Stephen Clark, Demolition Derby, vous l'avez compris, vient de casser sa roue avant droite et ne pourra participer à la finale. On revoit ça au ralenti. C'est un moment où l'avant du tracteur retrouve le contact avec le sol que la roue avant droite se casse. Et Mick Olin qui a dû se faire bien mal quand même. Ah, et puis alors là, cassé net, hein, rien à faire, impossible de réparer ça. Déception pour Jan Burggraf. Il avait obtenu sa qualification, mais il ne sera pas en finale. Il faut bien évidemment employer les grands moyens pour faire sortir le Demolition Derby. Demolition Derby qui avait pris la 8e place l'année dernière du classement final de la Coupe d'Europe. Voici les 8 qualifiés pour la finale, le full pool obtenu par ces 8 tracteurs. Et la finale à suivre à présent, le pull-off. On a aperçu très rapidement Anne Erlavi et son fils Mulpuri qui sont là pour suivre les évolutions de Pekka Erlavi, le Finlandais. Et c'est d'abord avec César que nous pouvons le suivre. César qui avait pris la 6e place des derniers championnats d'Europe. Également 6e du classement final de la Coupe d'Europe. Une traction relativement faible pour Pekka Erlavi. Voici Jirki, son mécanicien. Et Pekka Erlavi qui ne va obtenir que 68,69 m. Ce qui n'est pas suffisant pour espérer monter sur le podium dans cette catégorie des 3 tonnes 4 super stock. Juste derrière César de Pekka Erlavi. Pekka Erlavi, le Finlandais qu'on retrouvera un petit peu plus tard avec son deuxième tracteur. Voici Dear Addiction de Thomas Patterson, le Suédois. Un tracteur acheté aux États-Unis, avec lequel il est devenu champion de Suède. Et Dear Addiction qui va tout tenter pour progresser, mais qui ne va obtenir que 68,80 m, ce qui lui suffit malgré tout pour prendre provisoirement la première place. Mais je vous rappelle qu'il y a 8 tracteurs finalistes dans cette catégorie de 3 tonnes 4 Superstock. Juste derrière le Suédois Thomas Patterson, voici l'Allemand. L'Allemand Hans-Peter Strattmann avec Little Red Rooster. Un 946 international, c'est le plus petit moteur dans cette catégorie 3 tonnes 4 Superstock. Mais beaucoup d'énergie et vous allez le voir, une grande agilité
qui nous permettent de progresser. Départ un peu faible malgré tout là. Légère erreur de pilotage de la part de Hans-Peter Strattmann. Ah oui, et dans ces cas-là, avec un tracteur de ce type, il est sûr que lorsque le chariot mobile arrive en bout de course, on ne peut plus aller bien loin. Déception pour l'Allemand, qui ne réalise que 64,45 m, prenant la troisième place sur trois tracteurs. Il ne sera pas non plus sur le podium. Yann Erik Versluis qu'on retrouve, le Hollandais avec Silver Bullet. Silver Bullet qu'on a vu obtenir son full pool, sa traction maximale un petit peu plus tôt. Je vous rappelle, un moteur 100% écologique, un biodiesel. Erik Versluis qui s'élance à présent. Il a du mal à contrôler sa direction. Il échappe et il perd le contrôle de son tracteur. Casse lui aussi la roue avant droite. On revoit ça sous un autre angle. Ah oui, il perd complètement le contrôle de son engin. Silver Bullet qui va aller trop vite. Et l'essieu cassé lui aussi, tout comme Demolition Deer. Une traction de 39,88 m. Et comme Jan Burgraff, même sanction. On ramène le tracteur au garage. Spectaculaire en tout cas. Voici un journaliste, Geoff Ashcroft. Il est britannique, il a écrit plusieurs livres consacrés au tracteur pooling, dont son dernier c'est Full Pool. Également réalisé quelques vidéos sur la discipline. Il pilote Running Deer. Running Deer. Qui progresse bien d'ailleurs. Et Running Deer qui va prendre provisoirement la tête de cette finale avec 72,87 m. Ah, il n'a jamais fait aussi bien, Geoff Ashcroft, en finale. Et voici la star de tout Bernay. Il faut dire qu'il est du coin. Voici Robert Soenen, le Français, avec son Diester. Diester qui avait pris la 10e place l'année dernière des championnats d'Europe. Et c'est fini déjà pour Robert Soenen. Moteur cassé. Une traction bien décevante, 12,13 m seulement. Dommage pour Robert Soenen. Et donc il y a du dégât. Hein. Du dégât dans cette catégorie. Les 3 tonnes 4 Superstock. Attention, c'est la première manche de la Coupe d'Europe. Il y en aura 5 cette année. Voici Becker à la vie qu'on a déjà vu un petit peu plus tôt. Après César, il pilote Delta Power. Le Finlandais, nouvelle chance d'obtenir le podium. Ah bah lui aussi, moteur cassé, on l'a vu. Et seulement 59,64 m, c'est donc encore moins bien que César. Voici le grand favori, vainqueur de la Coupe d'Europe l'année dernière. Et on revoit ce qui s'était passé lors de la première traction. Il avait été disqualifié parce qu'il avait quitté la piste. Heureusement, la deuxième traction lui avait permis d'obtenir la traction maximale et de se qualifier pour ce pull-off. Leonard Griffion, le Hollandais, qui s'élance avec Bits & Pieces. L'année dernière, il avait remporté 2 des 4 étapes de la Coupe d'Europe. Très décevant lors des championnats d'Europe, il n'avait pris que la 12e place. Mais cette fois-ci, c'est tout bon pour Bits & Pieces. 67,26 m, c'est la meilleure traction. C'est donc lui qui remporte cette première manche de la Coupe d'Europe. Il s'impose devant Peter Clark et Running Deer. Troisième place pour D-Radiction de Thomas Patterson. Voici les résultats. Et à noter quand même que parmi les 12 tracteurs engagés dans cette catégorie 3 tonnes 4 Superstock, eh bien 9 ont cassé le moteur, ou comme on l'a vu pour deux d'entre eux. La Coupe d'Europe 1995 de tracteur pooling comporte cette année 5 étapes. Et la toute première est en France, en Normandie, à Bernay.
Le premier jour, le samedi, 10 000 visiteurs s'étaient pressés autour de l'aire de compétition. Le lendemain, le dimanche, ils étaient aussi nombreux. Et alors que le matin, il y avait eu la tempête au niveau de la pluie, ça va beaucoup mieux. Ça commence à sécher. Et on va pouvoir suivre la compétition dans de très très bonnes conditions. Vous voyez, une compétition où chacun peut rencontrer les champions, où chacun peut assister au travail des mécaniciens. Ambiance bon enfant à Bernay. Pour cette compétition, cette discipline, le tracteur pulling, je vous le rappelle, inventé bien évidemment par les Américains, les fermiers du Middle West qui se réunissaient à la fin des moissons et s'affrontaient dans des concours de traction. À ce moment-là, on utilisait des énormes rochers, des énormes pierres. C'était celui qui allait le plus loin. Et bien évidemment, un passe-temps qui est devenu une discipline. Arrivé en Europe en 1977. Et qu'Eurosport vous a fait découvrir l'année dernière. Voici les coupes qui seront remises aux vainqueurs. La piste a été repréparée pour ce deuxième jour. Piste très abîmée par les pluies torrentielles du week-end. Et à présent, la catégorie 2 tonnes 4 modifiée, 2 tonnes 4 libre. On débute avec un Hollandais, Martin Kustermans. Il avait cassé son moteur la veille, il a pu réparer durant la nuit un moteur qui vient d'un char. Et son tracteur, c'est Super Speter. Oh, ça part très très mal pour Super Speter. Martin Kustermans qui perd complètement le contrôle de son tracteur et qui recasse son moteur d'ailleurs. Malheureux Martin Kustermans à Bernay. Une traction de 74,87 m malgré tout. Et là, ça ne sera pas suffisant pour lui pour atteindre la finale. Le pull-off, où là encore, il fallait obtenir full pull. Traction maximale, 100 mètres minimum pour se qualifier. Le Belge Dirk Van Anmera avec Powerhorse. C'est sa toute première année, puisque là, Powerhorse était piloté par Herman Gains. Powerhorse qui manque un petit peu de puissance sur les derniers mètres. Je vous l'ai dit, 100 mètres au minimum pour la finale. Et ce sera seulement 95,63 m pour Dirk Van den Anwera. Et donc insuffisant. Une finale, un pull-off que nous vous proposons de suivre à présent. Avec les meilleurs à l'heure actuelle. Et parmi eux, Baby Duck d'André Wittak, 8e des championnats d'Europe l'année dernière. Il a choisi un moteur Rolls-Royce Meteor pour son tracteur. Et parti pour André Wittak. Un départ un peu timide qui va lui coûter cher. Le chariot mobile est en bout de course. La charrue est enfoncée complètement dans la terre. André Wittak qui obtient 74,24 m. Un full pool obtenu seulement par 3 tracteurs. Voici Emile, donc l'animateur des épreuves de tracteur pooling en France. Je vous l'ai dit, 3 tracteurs ont obtenu le full pool, la traction maximale pour participer à cette finale, ce pull-off. Parmi eux, le synergie du français Daniel Chauvin, qui a été obligé de retirer 2 turbines, vous le voyez, afin d'avoir le poids correct. Ici, hier, c'était son frère Philippe qui pilotait. Cette fois-ci, c'est Daniel. Daniel pour peut-être une victoire ici à Bernay en France. Parti pour Synergie. Là encore, on a du mal à contrôler la trajectoire.
Mais c'est meilleur quand même que Baby Duck pour Daniel Chauvin. Synergie qui doit être autour des 80 mètres. Oui, exactement. 80 mètres 13 pour le synergie de Daniel Chauvin. On est content du côté des animateurs et des organisateurs de cette Coupe d'Europe de Bernay. Et peut-être donc un Français victorieux ici pour cette première étape de la Coupe d'Europe. Même si, je vous le rappelle, les deux tomes 4 modifiés ne forment pas une catégorie retenue pour la Coupe d'Europe. Dernier finaliste, le vice-champion d'Europe en titre, Paul Williams et Limited Edition. Paul Williams qui remplace Alan Williams, qui n'a pu faire le déplacement, retenu par son travail. 80 mètres 39. Oh, c'est abominable ça. Battu de quelques centimètres seulement, 26 centimètres entre Synergy et Limited Edition. Mais c'est bien le Britannique qui l'emporte devant le Français Daniel Chauvin. Et la troisième place donc pour Baby Duck et le Belge André Vuitak. Voici la confirmation. Ils étaient 5 dans cette catégorie de tonnes 4 modifiées. 3 ont atteint la finale. Victoire donc de Limited Edition. À présent, la catégorie 4 tonnes 4 Super Stock. Pardon, d'abord on passe au pick-up, les deux roues motrices. Ça débute avec le Français Pascal Hu, il est champion de France en titre. Son tracteur, c'est Excalibur. Là non plus, ça ne fait pas partie de la Coupe d'Europe. C'est juste afin d'assister, eh bien, à des évolutions un petit peu différentes. Un tracteur muni d'un moteur de Rover V12. Et l'électricien de 39 ans, qui est bien loin de la traction maximale, puisqu'il obtient 59 mètres 70. C'est la finale que nous suivons dans cette catégorie pick-up. C'est vous dire que Pascal lui avait avant obtenu déjà la traction maximale. Samouraï à présent du Français Dominique Beaufils, il n'a que 33 ans, lui aussi un moteur de Rover V12 avec une funny car et une traction de 58 mètres 09. C'est mieux pour Excalibur avec 1m61 de mieux. Et à présent, le tout dernier finaliste à suivre, Stéphane Bonneau, lui aussi à bord d'une funny car. Mais Stéphane Bonneau qui ne va absolument pas contrôler sa direction, absolument pas contrôler sa trajectoire. Il sort de la piste et il est disqualifié. Voici donc le classement final des deux roues motrices, des pick-up, victoire d'Excalibur devant Samouraï et Lucifer. Le temps est toujours incertain, à présent une catégorie annoncée un petit peu trop tôt. Les 4 tonnes 4 Superstock, donc des tracteurs de série, ils ne sont que 6 à participer à la compétition. Car la veille, en 3 tonnes 4 Superstock, il y a eu beaucoup, beaucoup de casses. Premier à s'élancer, Dear Addiction de Thomas Patterson, le Suédois. Qui sait qu'il n'a pas beaucoup de chance d'obtenir des résultats dans cette catégorie des 4 tonnes 4. 93 mètres 92 malgré tout. Insuffisant pour le pull-off, insuffisant pour la finale. Et regardez, Silver Belette a été réparé durant la nuit. Et cette fois-ci, c'est Martin Van Echtelt qui pilote. Toujours pour la Hollande. Silver Belette qui s'élance. Et c'est mieux que Dear Addiction, mais pas suffisant non plus pour obtenir la finale, puisque 96 mètres 29, voici les 4 finalistes, avec encore les 2 tracteurs du Finlandais Pekka Erlavi. Mais voici d'abord Demolition Deer du Hollandais Jan Burgraff. Lui aussi a réparé, vous le voyez, ça c'était le tracteur qui avait explosé sa roue avant droite la veille. Il a réparé, il est présent pour la finale, pour le pull-off. Et une très belle présentation de la part de Jan Burgraff.
très beau style pour Demolition Deer. Qui est annoncé à 62,64 m, et puis cela va être modifié. Et en fait, on va lui accorder 71,98 m. Et après Demolition Deer, voici Becker Lavie avec César, le Finlandais. César, vice-champion d'Europe dans cette catégorie des 4 tonnes 4 Super Stock. Il avait pris la quatrième place en 3 tonnes 4, mais il est vrai que son tracteur est plus un 4 tonnes 4. Et d'ailleurs, il le prouve, il va plus loin que Demolition Deer, obtenant au minimum le podium, puisqu'il n'y a que 4 finalistes dans cette catégorie des 4 tonnes 4 Super Stock. Une traction de 77,93 m. Becker Lavie qui doit courir pour rejoindre son deuxième tracteur. Il utilise pour cela un mini scooter. C'est bon pour lui, on est en train de refaire la piste. Et voici le deuxième tracteur de Becker Lavie, Delta Power. Delta Power a pris la sixième place lors de la finale des 3 tonnes 4. Delta Power cinquième des derniers championnats d'Europe. 77,93 m à battre. Delta Power qui est moins maniable que ne l'est César, qui d'ailleurs va aller moins loin, puisque cette fois-ci Becker Lavie, qui a obtenu 77,93 m avec César, obtient 75,57 m. Et donc les deux tracteurs sont sur le podium, c'est sûr, puisque on est au-delà des 71,98 de Demolition Deer. Pour l'instant, Becker Lavie classé premier et deuxième. Voici le dernier finaliste, Geoff Ashcroft, le journaliste, deuxième en catégorie 3 tonnes 4. Il pilote Running Deer, toujours classé 9e des derniers championnats d'Europe. Et lui, il a été obligé d'ajouter du lest pour être plus lourd. D'ailleurs, on voit qu'il n'a pas l'habitude de piloter dans de telles conditions. À la limite de la disqualification, Geoff Ashcroft, qui obtient 70,90 m, qui prend donc la quatrième place. Becker Lavie, vous l'avez compris, le Finlandais qui réalise le doublé premier et deuxième. Premier avec César, deuxième avec Delta Power. La troisième place pour Demolition Deer. Running Deer, lui, est quatrième. C'était la catégorie 4 tonnes 4 Super Stock. À suivre, attention, pour la Coupe d'Europe, les 4 tonnes 4 modifiées. C'est l'année dernière que vous avez pu découvrir le tracteur pooling sur Eurosport, et ça vous a tellement plu que cet été, on a décidé de vous gâter en vous présentant les 5 étapes de la Coupe d'Europe 1995. Une Coupe d'Europe qui a débuté en France, en Normandie, très précisément à Bernay. Bernay, dont on découvre quelques images dans cette retransmission, avec ici son marché. Les spécialités régionales. Et bien évidemment, on ne peut passer à côté des pommes et de la production. On en fait avec, entre autres, le cidre. Comme ici, un pressoir. Le cidre normand qui a chauffé le public de Bernay, 10 000 personnes qui sont venues et le samedi et le dimanche pour suivre cette compétition pas vraiment comme les autres. Et avant de suivre la catégorie 4 tonnes 4 modifiées, voici des débutants. Ce sont leurs débuts en tracteur pooling, aussi bien pour les tracteurs que pour les pilotes. Ça va débuter
avec Fabrice Livernet, mécanicien d'Orléans, qui pilote Gladiator. L'Aviator propulsé par un moteur Renault de 900 chevaux. L'Aviator dont c'est la toute première sortie. Parti pour le Gladiator. La patte catégorie, ce sont donc des débutants, je vous le rappelle. Et ça va plutôt bien pour Fabrice Livernet. Ah, il contrôle parfaitement son engin. Très très beau d'ailleurs. Et c'est traction maximale, il est content. Et le public aussi d'ailleurs. Full pool. Juste derrière Thierry Ressouch qui vient de Menval et qui pilote Xor. Xor moins chanceux que Gladiator. Thierry Ressouch qui devra encore attendre avant d'obtenir son premier full pool, sa première traction maximale. Là, on n'est pas allé très très loin, 27,90 m seulement pour Xor. Enfin propulsé par un moteur de 1000 chevaux. Voici Francis Renetot qui vient de Niort, où il est fermier, qui pilote New Look. Mais là non plus, New Look ne va pas aller jusqu'au bout des espérances de Francis Renetot, puisque le full pool, la traction maximale, ne va pas être atteinte. Il ne va manquer que quelques mètres pour New Look, qui s'arrête à 96,45 m. Le vainqueur, c'est donc Gladiator avec son tout premier foot pool. C'était la catégorie des débutants. À présent, on revient sur la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe avec la troisième catégorie, les 4 tonnes 4 modifiés. Je vous rappelle que la troisième catégorie véritable qui participent à la Coupe d'Europe, ce sont les 900 mini-pouleurs. Et les 900 mini-pouleurs ne débuteront que lors de la prochaine étape à Walby Flevo en Hollande. Les 4 tonnes 4 avec Gilles Beugelou de Montluçon. Un tracteur construit l'année dernière qui a nécessité 3 mois et ce n'est que sa deuxième compétition à Météor. Météor qui utilise un moteur Rover Météor qui vient d'un char. 85,08 m, le méthanol n'aura pas été suffisant à Gilles Beugelou pour espérer atteindre la finale. Vous connaissez ce personnage, il est dans tous les dessins animés de Popeye. Il s'appelle Brutus et c'est également le nom donné au tracteur d'Adboot, le hollandais. Alors lui, il n'a pas fait dans la dentelle, c'est carrément 7 moteurs de camion qu'il utilise. Mais ça ne sera pas suffisant à Adboot et Brutus. Un départ bien trop timide, bien trop lent. Le chariot mobile a eu 100 fois le temps d'atteindre sa course maximale, d'aller jusqu'au bout pour enfoncer complètement le chariot. Et c'est seulement 50,76 m. Là non plus, pas de finale pour Adboot. Un moteur de Rolls-Royce de 3000 chevaux qui vient d'un Bombardier. C'est le moteur d'Ouragan, le tracteur de Freddy Launay, le français, qui a pris la quatrième place la veille en 5 tonnes 4. Et Freddy Launay qui fait pas dans la dentelle et vous allez le comprendre immédiatement. Bonne maîtrise du tracteur pour obtenir les 100 mètres minimum. Le full pool, la traction maximale. Et c'est la qualification pour la finale, pour les pull-offs. Et voici la table des juges où on encourage Freddy Launay qui participera donc à cette finale. Voici les 8 qualifiés du pull-off avec un Français. Et le favori, c'est Desperate Dan, le champion d'Europe en titre, que voici. Ils se sont fait des frayeurs d'ailleurs, les mécanos de Desperate Dan, puisque lors de la traction de qualification, l'un des moteurs a pris feu. Il a fallu aller très très vite. On ajoute encore du poids pendant ce temps-là sur le chariot mobile.
Et vous le voyez, on démonte carrément le moteur. Et Desperate Dan, deuxième de la Coupe d'Europe l'année dernière, grâce à une victoire dans la première manche, va pouvoir participer à cette finale. Une finale dans laquelle on attend bien évidemment la lutte entre Fox et Desperate Dan. Fox, deuxième des championnats d'Europe, mais qui en revanche avait remporté la Coupe d'Europe l'année dernière. Et on note l'absence également du Kuwait Team Popeye, troisième des championnats d'Europe et de la Coupe d'Europe, qui sera sans doute présent à Walby Flevo lors de la prochaine étape. Premier à s'élancer, Kevin Whittingham et son Snoopy, le Britannique qui a choisi deux moteurs de Rolls-Royce Griffon et qui vend des tracteurs là-bas en Grande-Bretagne. Kevin Whittingham qui met la barre très très haut d'entrée, puisque 94,60 m en pull-off, c'est énorme. Confiant donc Kevin Whittingham pour la suite. À présent, voici Viper du Hollandais Joep Wouters, champion de Hollande en 84, champion d'Europe en 86. Il utilise deux moteurs Chrysler, un moteur Kit Black. Mais Viper n'est plus aussi solide qu'il l'était auparavant. Son dernier titre monte à 9 ans à présent et 64,56 m seulement pour Joep Wouters. Voici l'un des favoris, le champion d'Europe en titre, deuxième de la Coupe d'Europe, Brian Armistead et Desperate Dan. Propulsé par 5 moteurs Chevy, vous voyez son mécanicien qui encore juste avant le départ effectue les derniers réglages. Mais attention, 94,60 m à battre. Distance obtenue par Snoopy. Parti pour Desperate Dan. Oh, bien parti d'ailleurs. Le champion d'Europe en titre qui s'était lancé. Et ça va se jouer à quelques mètres seulement entre les deux hommes. Et plutôt un avantage britannique, me semble-t-il. Enfin, les deux sont britanniques à ce britannique-là. Et non, il est battu, Brian Armistead. 91,02 m. Battu par Snoopy de Kevin Whittingham. 3,58 m qui manquent. Et Snoopy, seulement 6e des derniers championnats d'Europe, qui donc est toujours en tête à présent. Voici le Belge Terminator 5, habituellement piloté par Steph De Hoef. Aujourd'hui, c'est Rudy Paulus qui est au volant. Terminator 5 qui a été 4 fois champion de Belgique. Il utilise 3 moteurs de Rolls-Royce Meteor. Pas suffisant pour Terminator 5, 70,94 m. Il est en 3e position derrière les deux Britanniques. Snoopy toujours en tête. Les Hollandais sont relativement discrets dans cette première manche de la Coupe d'Europe. Pourtant, ils font partie des meilleurs d'Europe. En voici un en finale, 9 fois champion de Hollande, avec 2 moteurs Rolls-Royce, 6 Setzling, qui pilote Hit Kitmantier. Hit Kitmantier qui avait complètement raté les championnats d'Europe l'année dernière, prenant la 13e et dernière place, et qui là encore connaît un gros problème. 6e de la Coupe d'Europe l'année dernière, malgré une victoire dans la 3e manche. Et là, 20,28 m, une fois de plus, des problèmes de réglage pour Hit Kitmantier. Attention, voici Peter Larsen, le Danois. Il a remporté les deux dernières Coupes d'Europe avec Fox, battu l'année dernière de moins de 30 cm par Desperate Dan en finale des championnats d'Europe. Fox qui est parti. Oh là, mais Fox qui rate complètement sa course. Alors là, complètement raté pour le Danois Peter Larsen. Il fallait battre 94,60 m, il n'obtient que 79,80 m. Et donc Snoopy qui se dirige vers sa première victoire en catégorie des 4 tonnes 4 modifiés. Snoopy avec toujours 94,60 m. Peter De Regde est hollandais.
Peter de Regde qui va se marier dans les jours à venir avec la belle Anne-Marie. Peter qui pilote Green Spirit 4, 5e des derniers championnats d'Europe et 7e de la Coupe d'Europe l'année dernière grâce à une 2e place dans la 3e manche. Green Spirit 4 qui utilise à présent deux moteurs Rolls-Royce Griffon qu'il a acheté à Brian Armistead, le pilote de Desperate Dan, actuellement en 2e et champion d'Europe en titre. Brian Armistead qui suit les évolutions du Hollandais Peter de Regde et c'est parti pour Green Spirit 4. Oh, c'est bien parti, très bonne vitesse dès le départ, il contrôle parfaitement sa machine et ça va aller au bout, ça va aller au bout. Le full pool est obtenu et ça va même plus loin. Oh, je ne pensais pas que les 94,60 m de Snoopy pouvaient être battus, mais c'est bien confirmé, full pool, traction maximale pour Green Spirit 4 qui débute très très bien décidément cette Coupe d'Europe. Je disais les Hollandais discrets depuis le début de la compétition, et bien les voici, 111,48 m. Et regardez Brian Armistead qui doit se mordre les doigts de lui avoir vendu ses deux moteurs Rolls-Royce. En tout cas, le Hollandais qui bat les deux Britanniques, Snoopy et Desperate Dan, et Green Spirit 4 en tête, reste un finaliste. Mais lui, il n'utilise qu'un seul moteur Rolls-Royce Griffon. Il s'agit du Français Freddy Launay sur son Ouragan, champion de France en catégorie 4,4 t et 5,4 t depuis 1990. Un garçon d'expérience. Alors là, atteindre les 111,48 m, c'est un petit peu désespéré. Il faut tout tenter, Freddy Launay n'a rien à perdre. Allez, enfin là, c'est très très mal parti, ça va pas aller très très loin ça pour Freddy Launay. Allez, déception quand même. On n'a pas atteint les 60 mètres pour le Français, 58,62 m seulement. Et voici donc les vainqueurs, l'Hollandais Peter de Regde qui bat les deux Britanniques Kevin Whittingham et Brian Armistead, qui avait terminé respectivement en deuxième et premier de la Coupe d'Europe l'année dernière et premier et deuxième des derniers championnats d'Europe. Green Spirit 4 qui fait donc figure de favori pour la suite de la compétition. Voilà, c'est terminé la prochaine étape de la Coupe d'Europe, c'est Herning au Danemark, puis il y aura Merkerk. Voici les finales, les étapes de la Coupe de France. Alors si vous avez une de ces villes près de chez vous, surtout n'hésitez pas à vous déplacer. Donc Herning et Merkerk, ce sera à la fin du mois de juillet. D'ici là, il y aura les étapes en Hollande à Walibi Flevo et en Allemagne à Sotrum. Ça sera bien évidemment sur Eurosport. La Coupe d'Europe 95 de Tractor Pooling, c'est sur notre antenne et c'est une exclusivité. Merci, bonsoir.